Mon grand-père m'a dit un jour que nous sommes tous égaux aux yeux de Dieu. Pour lui, personne n'est beau ou laid. Mais les gens sont différents. Les gens jugent. Pour la plupart des gens, c'est votre apparence qui compte le plus. Pardon. Tu sais, Magda, je ne m'habituerai jamais à ton visage. Il me donne des cauchemars. Ah, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi! Arrêtez! Lâchez-moi! Ah, arrêtez! Sale monstre! Arrêtez! Vous voulez dire que vous ne ferez rien? Juste parce qu'elle est la fille du commissaire, elle ne sera pas punie? Je suis la première? Mesdames et messieurs, veuillez accueillir notre premier de la classe, Miss Rachel Suarez. Tâche de t'en rappeler, Magda. Tu ne me battras jamais. Madame? Oui? J'aimerais vous vendre mon savon, madame. Pas intéressé. Le savon magique de Magda. C'est la solution à notre problème. Nous vous donnerons 200 000 pour la formule. Wow. Tu fais une très grosse erreur, Magda. Nous devons t'arrêter. C'est pour agression et tentative de meurtre sur Madame Vanessa Narcissos. Magda, calme-toi. Attends, Kiko, prends-moi la main. Calme-toi, calme, ok? Aucune fille laide comme elle n'est autorisée ici, c'est clair? Vous savez que mon grand-père est innocent. Je sais que vous ne faites ça que pour me tourmenter, moi et mon grand-père. Je vous faisais confiance, mais vous m'avez trahi. Vous vous êtes servi de moi. Comment osez-vous? Vous avez tué mon grand-père. Ils paieront pour ça. Ils vont tous me payer. C'est la nouvelle Magda.